Sanao de Kojardin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je me maquille pour Halloween. Donc très clairement je ne sais pas du tout si ça va être un échec ou une réussite. Je ne suis pas du tout une maquilleuse pro qui sait se maquiller super bien tout ça. Donc on verra bien à la fin, j'espère que je réussirai en tout cas le maquillage. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et dis-moi si tu trouves que le maquillage est réussi. C'est parti. Donc du coup pour commencer, je vais commencer par faire le contour des lèvres en noir. Donc j'ai pris bien évidemment un rouge à lèvres noir, très noir, mais je vais pas l'appliquer comme ça. Donc du coup j'ai pris un petit pinceau pour faire le contour des lèvres. Je ne dis pas encore une fois que ça sera une réussite, mais j'espère que ça rendra bien. Donc du coup... J'ai peur de me louper. Ça va prendre du temps la vidéo, je vous le dis tout de suite. Hein. Et on va un peu insister sur les bords. Hop. Je suis en train de dépasser, je crois. J'ai jamais dit ça serait une réussite. Ensuite, au-dessus. Ce qui est pratique, c'est que j'ai le miroir juste au-dessus. Peut-être que je vais faire. Non, moi ça va me faire une couleur en plus. Je suis toujours habituée à faire ça. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt bien. Bon, du coup, voilà. Trois lèvres des femmes et les lèvres. Pour le rouge à lèvres noir, c'est fini. Rouge à lèvres noir, j'ai pas trop ma sortie, je pense que ça va être pire. Mais bon, ça va. Et par-dessus, à l'intérieur, je vais rajouter une couche de un peu de rouge vif. Voilà. Donc là, on est plus sur un gloss, mais j'ai pas spécialement de rouge à lèvres. Donc du coup, on applique ça. Et au pire, je passerai du noir par-dessus. En vrai, c'est pas totalement à ça que ça devait ressembler, mais j'aime bien. Ouais, juste que je mette un peu de noir sur les bords, mais je ferai ça après. Ouais, je remettrai juste un peu de noir au bord des lèvres. Pour l'instant, les lèvres, j'aime franchement plutôt bien. Je prends une rouge à lèvres noire, du coup tu serais cassé la gueule, je suis dans la merde. Je ne sais pas du tout d'où vient le pinceau, on l'a eu comme ça, on a eu de la chance, on a eu le droit. Donc je repasse sur les contours. J'ai voulu souffler dessus quand même. Hop, du coup voilà, j'ai rajouté un peu de noir
et je trouve que ça fait quand même déjà mieux. Hop, que je prenne le téléphone. On voit plutôt bien les démarcations du noir et du rouge. Donc je suis plutôt contente de ça. Après avoir en dessous si ça reste, sinon je me le remettrai à la fin. Hop. Donc du coup, pour le rouge à lèvres, c'est fini. J'ai mis beaucoup de temps à faire le rouge à lèvres, juste pour le rouge à lèvres, donc j'imagine pas la suite. Donc ensuite, j'ai vu que je devais faire un trait d'eyeliner sur mes yeux. Donc je sais pas du tout faire, donc j'ai vu d'abord que je devais mettre une couche de blanc. Donc on va partir sur la couche de blanc directement. Donc voilà, je fais ça juste après. Du coup, j'ai deux palettes, donc j'en ai une qui vient d'Yves Rocher et l'autre qui vient de Nocibé. Donc je vais essayer de plutôt quand même bien forcer sur le blanc, parce qu'il faut quand même qu'il se voie pas mal. J'espère qu'il se verra bien, parce que sinon je suis un peu dans le caca. J'ai pas envie d'être dans le caca, très clairement. J'espère vraiment que ça va être une réussite parce que c'est la première fois que je fais ça. Là pour l'instant j'utilise la palette Nocibé. Et ça marque plutôt. Je vois un peu la différence, mais sans plus. Donc je pense qu'après je passerai à la palette Nocibé pour s'il y a une différence un peu. Là on voit comme déjà mieux la démarcation du blanc et du tout simple. C'est ça que je voulais aussi. Mais je vais continuer à en mettre un peu. Je suis en train de foutre du maquillage partout dans le lit. Ah bah voilà. Si j'aurais su, j'aurais commencé par lui. Et ensuite on part en dessous. Hop. Je vais mettre le chiffre pour éviter que du maquillage partout. Voilà. Je fais qu'un seul œil, le deuxième je le ferai hors vidéo pour aller plus vite. Donc du coup voilà, pour l'instant ça donne ça, ensuite on passe à la deuxième couleur. Là on va aller sur une teinte un beaucoup plus rouge et on va l'activer, on va la mettre au-dessus du fard à paupières blanc que j'avais déjà mis juste avant. Hop. Déjà on voit la différence, c'est nickel. Je vais mettre pas mal de rouge parce qu'en vrai je n'ai pas énormément que ça, donc je vais pas du tout lésiner sur le rouge. Il faut quand même que ça ressorte correctement. Hop. Déjà on voit le blanc et le rouge. Donc ça je suis contente. Hop. Voilà, encore un peu. Oh génial, j'ai une pub sur mes vis, ma musique. Il m'a faut du maquillage partout. Du coup, vous voyez plus bien. Hop, du coup, pour l'instant, ça donne ça. C'est la première fois que je fais exprès de autant dépasser autour de mes yeux, ça fait bizarre. Mais du coup voilà, franchement en vrai ça rend super bien, je suis déçue que ça rentre pas aussi bien en vidéo. Mais du coup voilà, je m'arrête là pour cet œil là. Et on passe à la suite de cet œil. Donc du coup là je suis très clairement dans le caca parce qu'en fait je dois faire un trait d'eyeliner. Déjà j'ai pas d'eyeliner, j'ai juste un crayon pour œil et je ne sais pas faire du tout de trait d'eyeliner. Donc du coup... ceux qui savent le faire, ne me jugez pas s'il vous plaît, je ne sais pas du tout le faire. Donc du coup, je vais partir d'en bas, j'espère juste que ça va marquer. Mais après, je n'ai pas un gros trait d'eyeliner non plus, donc j'en ai pas, de toute façon c'est juste un crayon. Putain,
train de foirer mon truc là. Si j'arrive à rattraper ça, je suis grave heureuse. Bon, après, c'est un truc d'Halloween, hein, donc si c'est mal fait, on s'en fout un peu. Hein. Ah ouais, mais là, non. Je suis en train de me foirer totalement, les gars. Je vais y arriver, vous allez voir. Ça va rendre un peu mieux. Je sais qu'elle n'est pas partie jusqu'au bout sur la photo parce que je me suis inspirée d'une photo. Bon, dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, ça pourrait être largement mieux, juste retracer le trait là. Bien évidemment que ça pourrait être largement mieux. Mais là, c'est déjà vraiment pas mal, je trouve, parce que pour quelqu'un qui ne sait pas faire du tout de trait d'eyeliner, il est épais. Il est très épais. Mais non, franchement, je suis plutôt contente. J'espère que sur l'autre trait, ça rendra quand même mieux. Mais du coup, on voit encore la démarcation du blanc. On a le noir et on a le rouge. Donc ça, je suis super contente. Je pensais que je me serais encore plus loupée que je me suis un peu loupée déjà. Et on passe à la suite. Du coup, la suite. Ne pas me juger. Comme je l'ai dit juste avant, je ne sais pas faire de base. Et je passe juste au-dessus. Voilà, j'ai fait un peu plus épais sur le dessus. En vrai, pour l'instant, je trouve que ça donne quelque chose de pas mal. Je vais voir sur la photo comment ça peut redonner et je reviens. Bon, du coup les petits potes, je suis super fière du résultat. Je m'attendais à beaucoup plus pire. Je sais pas si ça se dit. Ça pouvait être mieux, j'en suis sûre, c'est certain. Après, je suis pas une maquilleuse professionnelle. Hein. On voit le petit bouton sur le nez qui est pas spécialement bien fait. Voilà tout ça. Ensuite, oui, il y a une énorme coupure entre la dernière scène et là. C'est que j'ai eu énormément de mal à faire tous mes traits, à faire le noir, à faire les contours, tout ça. En même temps, je me suis coiffée, j'ai fait la main avec ma main. Voilà, j'ai énormément de mal à le faire, donc c'est super simple à faire. Mais du coup, voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Que moi, je suis plutôt fière du résultat, comme je vous ai dit. J'espère que le résultat pour vous est plutôt bien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Puis voilà, n'oublie pas de vous abonner, de commenter, partager, puis liker. Et je te dis à une prochaine vidéo. Et n'hésite pas à me dire si tu t'es maquillée pour Halloween. Salut !